Bon bah je vais galérer bébé, je vais pas me laisser filmer. C'est vrai ça? Il fait que pleurer. J'espère que vous allez bien, moi ça va aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo Amazon en partie, en partenariat, en collaboration avec Amazon, donc je suis super contente. Ce sera la dernière de l'année du coup, j'en ai également profité pour prendre des cadeaux pour Nassim parce qu'on fête son anniversaire à la fin de la semaine. Et pour Amine, on lui a prévu autre chose du coup, si vous êtes en retard, si vous avez des cadeaux de Noël à faire ou des cadeaux pour certaines occasions, n'hésitez pas, il livre en Prime de toute façon assez rapidement dans les 24-48 heures. Regardez à chaque fois sous chaque article, vous avez en fait livré avant Noël ou livré après Noël. Donc c'est une petite indication au cas où si vous voulez savoir si vous allez être livré avant Noël ou pas pour les retardataires. Du coup, comme d'habitude, je vais vous parler de trois catégories. Catégorie, je dirais mode, catégorie soins beauté et une autre catégorie jouets. J'ai mis un petit peu tout, jouets, meubles, des trucs pour la maison, etc., etc. Donc je vais commencer cette vidéo pour changer un petit peu par la catégorie, je dirais, jouer, parce que j'avais trop hâte de filmer cette vidéo, de tout recevoir, parce que j'ai attendu un petit peu certains articles qui ont mis du temps à arriver, et pour pouvoir en fait pour pouvoir les emballer pour l'anniversaire dimanche de mon fiston qui va avoir 3 ans. Du coup, je lui ai pris ce jouet-là. Dans un premier temps, donc c'est un ordi que j'avais déjà acheté sur Amazon pour mon premier fiston. Et franchement, c'est de la qualité, c'est de la marque VTech. Je pense que vous connaissez tous. Donc, vous avez 20 activités éducatives, 30 mélodies, comptines célèbres. Voilà, ça vous apprend un petit peu tout. Ici, vous pouvez changer. Et il est super sympa, voilà. L'écran est rétro-éclairé. Ensuite, autre cadeau, je lui ai pris ce tapis. Parce que j'en ai ras-le-bol qui me colorie sur les murs, sur les meubles. Franchement, où il peut y colorier, c'est affolant. Du coup, je me suis dit que j'allais lui prendre ce petit tapis. Ça fait un moment que je le vois un petit peu passer. Et franchement, vous avez plein de modèles, plein de coloris et tout, super sympa. Et en fait, c'est un tapis où vous pouvez, où vous avez des feutres à l'eau pour pouvoir colorier sur le tapis. Et j'ai trouvé ça génial. Et en plus, vous avez plein de... Vous avez l'alphabet, parce que mon fils, il est à fond alphabet en ce moment. Et des animaux, etc. Franchement, il est super sympa, je trouve. Hop, dernier cadeau. C'est tout simplement un aspirateur. Du coup, je vous montre. En fait, c'est exactement comme le Dyson. Donc, je vais essayer de l'enlever tout doucement pour pouvoir le remettre. Ouais, bah c'est trop bien. Et je crois qu'il y a une réelle aspiration, en fait. Ça aspire. Pas comme les nôtres, pas comme les vrais, mais ça aspire. J'ai trouvé ça super sympa. Hop, nous avons le manche. Et on a des billes, en fait, ici. Franchement, c'est trop rigolo. Trop rigolo. Regardez-moi ça. Il est pas trop sympa. Voilà, il me semble qu'il est à une trentaine d'euros. Donc, très abordable. Hop. Donc, je vais le remettre comme ça. S'il se réveille, il ne le voit pas. Donc, voilà pour les cadeaux. Je vais pouvoir les emballer et lui les préparer. Ensuite, donc, je vous disais, j'ai pris 2 meubles. De la marque Vosaglé, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai 3 ou 4 meubles, je crois que j'ai 3 ou 4 meubles à la maison déjà de cette marque. C'est une super marque de bonne qualité et franchement à prix raisonnable. Du coup, je me suis dit, j'avais envie de changer mon meuble d'entrée, meuble à chaussures. Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir pris avant. Il est magnifique, il est rigide, il est solide. Bon, par contre, on a mis un petit peu de temps à le monter. Mais franchement, il est très très beau. Moi, chez moi, c'est esprit industriel, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ces tons bois acier, mais vous avez également d'autres coloris, il me semble, du blanc qui sont disponibles. Et j'ai également pris un meuble pour pouvoir trier, un meuble à mettre dans ma future buanderie pour pouvoir trier le linge sale, en fait. Donc c'est un meuble avec 3 compartiments. Celui-ci, je suis un petit peu moins fan, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand. Bon, c'est pas grave, mais sinon, au-delà de ça, franchement, il est très très bien et il est très pratique. Voilà pour les meubles. Ensuite, toujours dans cette optique de réaménager la maison, voilà, de pouvoir en fait se faciliter le quotidien, je me suis pris en fait ces petites boîtes qui me faisaient de l'œil. C'est pour ranger tout simplement la lessive. Et à l'intérieur, c'est pas fini. C'est les bonus. Et à l'intérieur, nous en avons une autre pour tout ce qui est lingette. Mais franchement, la vérité, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et on a même, si vous voulez, un petit gobelet doseur comme ça pour pouvoir prendre la lessive en poudre. Moi, j'avoue que j'ai de la lessive liquide, mais j'ai plein d'autres trucs à ranger. Donc franchement, ça, c'est génial. Voilà, je crois que c'était à une trentaine d'euros.
Voilà, donc trop beau pour pouvoir réorganiser, réaménager son chez-soi. Voilà, ça va aller directement dans ma buanderie. En tout cas, je kiffe le bois et le blanc. Je trouve que c'est très joli. Je me suis pris une caméra. J'en ai déjà une à l'entrée de chez moi, mais je voulais en mettre une autre à l'arrière. Parce que voilà, j'ai quatre façades, hein, normal. Et je voulais vraiment pouvoir filmer les deux façades principales. Du coup, c'est de la même marque, hein, l'autre que j'avais pris également. C'est de la marque Yegeek. Et ce sont de très bonnes caméras. Batterie Powerhead Camera. Celle-ci, c'est la ZSJX3S. Mais de toute façon, je vous mets le lien de ma boutique avec tous les articles que je vous présente. Ben, en barre d'infos, hein, n'hésitez pas à cliquer. Donc à l'intérieur, nous avons une garantie. C'est garantie pendant plus de 2 ans. Une notice. Hop, ça se présente comme ça. Donc ici, c'est la caméra. Et ici, c'est pour pouvoir la recharger en fait. Elle n'a pas de pile. Elle recharge de temps à autre. Moi, je sais que la petite, je l'ai rechargée une fois depuis que je l'ai reçue. Il me semble que ça fait 3 mois déjà que je l'ai. Et voilà comment elle se présente en fait. Elle est toute petite. Il suffit de faire un petit trou dans la façade et de la visser. Et ensuite, vous avez... Attends, bébé. Et ensuite, vous avez une application, en fait, et vous avez une application sur le téléphone qui vous permet de tout régler, en fait, l'alarme. Elle fait également lumière lorsqu'il y a, en fait, des mouvements. Voilà, vous pouvez régler le volume, régler tout ce que vous voulez, les horaires, si vous voulez mettre une plage horaire pour pouvoir lancer la surveillance vidéo. Franchement, nickel. Donc, je vous montre comment ça se présente. Elle est plus épaisse, celle-ci, elle est plus grosse que celle que j'ai. Et franchement, super. Donc voilà, je suis super contente. Et ici, bien évidemment, vous avez le support à visser dans la façade. Et ensuite, vous le vissez ici. Et puis voilà, vous pouvez régler le sens de la caméra. Donc, je vais pouvoir l'installer du coup. Ah oui, pour celles qui me suivent, vous avez vu dans mon vlog que je vous avais dit que la batterie de mon Dyson m'avait lâché. Et qu'il était toujours sous garantie. Ben, figurez-vous que j'étais à ça, j'ai loupé de ça la garantie. Franchement, Dyson, vous abusez. Donc, ça fait 2 ans que je l'ai pile poil. Et comme par hasard, 2-3 jours après, la batterie a lâché. Heureusement que sur Amazon, on a tout ce qu'il faut. Donc, je me suis repris une batterie de rechange de la marque Morpilote, ouais. Et voilà, c'est une batterie lithium pour les, mon aspirateur à main de chez Dyson. Et franchement, nickel, c'est exactement la même chose. Il faut visser, visser la nouvelle. Et ce qui est génial également, c'est qu'ils nous ont mis 2 filtres comme ça. Du coup, il y en a un, je l'ai déjà mis. Ça, c'est top pour pouvoir gagner en aspiration. Donc voilà, ça, j'étais trop contente. Je crois que je l'ai payé 39 euros. J'étais trop contente de pouvoir en trouver parce que sinon, ben, j'étais obligée de me racheter un aspirateur. Voilà. Après, je sais pas combien me coûte exactement la batterie d'origine Dyson, mais je pense qu'elle doit pas être donnée. Donc voilà pour ça. J'ai également pris des ampoules Edison magnifiques. Franchement, je les ai mises. Je vous mettrai une vidéo ou une photo des ampoules que j'ai installées. Toutes mes ampoules que j'avais achetées d'ailleurs sur Amazon il y a 3 ans de ça m'ont lâché. Franchement, elles ont duré 2 ans et demi. Hein. Franchement, elles ont super bien duré. Et là, bah, je les ai repris. Il me semble pratiquement les mêmes. Elles sont trop belles. Préparez vos yeux, il y en a 6, je crois, pour 18 euros. Et elles éclairent super bien. Donc moi, j'en ai dévissé 3 sur 6. Parce que 3 ça suffit, franchement ça éclaire super bien. Et j'adore en fait cet effet. C'est pas une ambiance feutrée, c'est vraiment une ambiance industrielle. J'aime trop, je vous montrerai de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai également craqué pour la serpillière Velleda. Avant je regardais ça, mais en diagonale je me suis dit non, ça doit pas nettoyer et tout. Mais franchement c'est top. Donc j'ai pris celui-ci avec le seau. Vous avez la lavette, vous avez le manche et vous avez en fait les soreuses là, un petit peu comme les soreuses de salade. Franchement, ça me change la vie. Moi qui suis team tendinite, franchement, ça me change la vie et c'est vraiment super bien. Franchement, super bien. Voilà, parce qu'il faut savoir que même mon gynéco m'a lâché. Bref, en ce moment, j'ai la poisse. Mais franchement, nickel. N'hésitez pas. Voilà pour tous mes articles, maison, cadeaux, etc. Et je voulais juste vous montrer. Du coup, j'ai également pris la déco pour l'anniversaire de mon fils. Ben, sur Amazon, hein, tant qu'à faire.
c'est arrivé super rapidement, super vite. À part pour quelques articles mode qui sont arrivés d'Allemagne, c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais franchement, sinon, pour le reste, j'ai reçu tout ça assez rapidement. Du coup, j'ai pris ces petits cartons-là, Happy Birthday, c'est une sorte de guirlande à attacher. J'ai un lot de ballons, j'ai repris le thème jungle, hein, parce qu'ils kiffent ça, les animaux. Avec, nous avions cette petite... c'est quoi ce petit 3 là à mettre, ce topping en forme de 3 à mettre sur le gâteau. Ça, c'est les ballons animaux. Et enfin, ici, nous avons une nappe. Voilà. D'habitude, je prends les gobelets, etc. Mais là, je me suis dit que j'allais faire ça. De toute façon, il me reste encore plein de gobelets, de couverts, de serviettes. Je me suis dit, c'est pas la peine. Donc, voilà pour ça, la team. Ensuite, on va passer à la catégorie beauté soin. J'ai pas énormément de choses, vous allez voir. Et ensuite, on terminera par la mode. Donc, en soin, je me suis pris ce produit-là. J'en avais un de la marque Tresemmé, qui m'a duré des plombes, mais là je ne le retrouve plus, je ne sais pas où il est, je pense pas qu'il soit fini. Je l'avais d'ailleurs pris sur Amazon, mais là c'était hors de prix. Du coup je me suis rabattue sur le Franck Provo, qui est très très bien. C'est tout simplement un protecteur de chaleur, voilà, lorsque vous voulez faire les plaques comme moi par exemple aujourd'hui, ou si vous voulez faire un brushing, enfin bref, quand vous voulez passer quand vous voulez appliquer de la chaleur sur vos cheveux, toujours les protéger. Donc celui-ci, c'est le Expert 230 degrés protection, soin salon sans rinçage, formule sans alcool, protectrice de chaleur pour cheveux sensibilisés par la chaleur, qui fait 300 ml à la pro kératine. Donc pour une matière cheveux protégée, facile à coiffer. Franchement, il est nickel celui-ci. Vous avez une sécurité ici, vous voyez, il suffit d'appuyer pour ouvrir, et franchement nickel. Il n'y a pas d'effet vous voyez carton, que je déteste, ni d'effet collant ou autre. Franchement là, vous voyez mes cheveux, ils sont très très bien quoi, il n'y a rien à dire. Donc franchement, je vous le recommande, pensez à protéger vos cheveux. Ensuite, je voulais absolument tester la marque Paula Choice. Il faut savoir qu'il y a énormément de marques de beauté soin sur Amazon. Et celle-ci, elle n'est pas donnée. Et franchement, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais il est minuscule, on dirait pas du 30 ml, franchement. Il est rikiki. Bon, ça me permettra de tester. Et si vraiment j'en suis contente, même si j'en entends que du bien, je me le prendrai en grand format. Voilà, donc c'est 2% BHA, liquide exfoliant, à l'acide salicylique. C'est pour rendre la peau super douce, super belle. Voilà, enlever ce côté rugueux, etc. Ensuite, pour mon mari, je lui ai pris un énorme pot de crème. Vous savez que j'adore la marque CeraVe. C'est un baume hydratant pour peau sèche à très sèche. Et lui, ben, comme il est carreleur, surtout pour ses mains, ses genoux, ses articulations, quoi, ses coudes et ses poignets, je lui ai pris un énorme, un énorme pot. Il fait combien celui-ci? Coucou mon amour, celui-ci il fait 454 grammes, donc presque 500 grammes, et j'ai kiffé en fait le flacon pompe là, il est super pratique, franchement top, donc ça il va être content. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, je me suis repris un rouge à lèvres, vous savez que je kiffe, de chez Maybelline, c'est les Lifter Gloss, et j'ai pris une autre teinte, c'est celui à l'acide hyaluronique, c'est le 009 Topaz. Je vais vous faire un petit swatch, tiens. Alors désolée, j'ai déjà fait des swatchs sur ma main, mais il est trop trop joli. En fait, c'est un gloss, mais des lèvres, et il est nude en fait. Il est très très beau. Je kiffe ça, franchement, je les kiffe ceux-là. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres, j'ai pris un mascara de chez Essence. Franchement, si vous cherchez la marque Essence, elle est dispo. Je ne savais pas du tout, sur Amazon. Et franchement, ils ont les meilleurs mascaras du monde. Vraiment, croyez-moi. Donc, j'ai pris le I Love Extreme. Donc, le bleu, il me semble que c'est le waterproof. Moi, j'ai pris le simple. Parce que le waterproof, soit dit en passant, c'est une galère à démaquiller. Regardez la brosse. Elle est XXL. Elle est énorme. Mais franchement, j'adore ce mascara. Et il coûte pas très cher, franchement. Et ensuite, en make-up, je me suis fait plaisir chez Kiko. J'avais complètement oublié qu'ils avaient une super belle marque de qualité, en fait, de make-up de qualité. Du coup, j'ai craqué pour une palette. D'ailleurs, je me suis maquillée aujourd'hui avec le make-up Kiko, hein. Donc, j'ai craqué pour cette palette-ci. Regardez-moi cette beauté. Vous avez 9 fards et vous avez plein d'autres jeux de couleurs, hein. Moi, j'ai pris la... Est-ce qu'elle a un nom, celle-ci? La 03. J'ai adoré parce que vous avez un petit kaki ici, et les couleurs, elles sont magnifiques, vraiment. De toute façon, je me suis maquillée les yeux avec aujourd'hui. Je vais quand même vous faire les swatchs. Voilà, vous voyez. Ils sont super bien pigmentés. Ils ne sont absolument pas poudreux, donc pas de chute. Franchement, j'adore. C'est vraiment des fards effet crème. Ensuite, j'ai pris un crayon à lèvres.
Je sais pas pourquoi j'avais envie de fuchsia. Vraiment, je n'ai plus cette couleur. Fut un temps, j'adorais. J'en avais dans toutes les marques, mais là, je n'ai plus cette couleur dans mes rouges à lèvres. Je ne sais pas pourquoi. C'est le creamy couleur. C'est le numéro 15. Et c'est le fuchsia. Il est magnifique. J'ai fait du coup mon contour des lèvres avec. Il est. Pff, de toute façon, les crayons Kiko. Super beau, super bien pigmenté, gras comme il faut, pas trop gras, pas trop sec, franchement le top. Et ensuite j'ai également pris un rouge à lèvres. Il y en avait tellement des fuchsias, je savais pas quelle gamme prendre. J'ai pris cette gamme-ci, on dirait une cartouche, il est trop beau. C'est le Unlimited stylo rouge à lèvres. Alors il y avait voilà, il y avait plein de finis, fini mat, semi mat, glossy. Et moi il me semble que celui-ci c'est ouais, c'est un effet glossy, sauf que je l'ai en fait tout simplement rendu mat avec ce fard-ci, parce que vous pouvez le faire hein, avec celui-ci là, ou avec une poudre tout simplement. Donc hop, regardez-moi cette beauté et on retrouve en fait la couleur du rouge à lèvres ici. Il suffit d'ouvrir comme ça et vous avez la couleur du raisin juste ici et c'est un fuchsia également, mais un fuchsia glossy. Hein, que vous pouvez rendre mat comme je vous ai dit par la petite technique. Donc voilà la team pour le côté beauté. Il me semble que je n'ai rien oublié côté beauté. J'ai utilisé pas mal de trucs. Ah si, une superbe découverte, un mascara de folie vraiment. C'est le nouveau mascara de chez L'Oréal. Il est magnifique. Les filles, franchement, là, il faut absolument se le. Si vous aimez, en fait, les longs cils, yeux de biche étirés, etc., c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Il fait un volume de dingue. Vraiment, il est tiré, recourbe. Donc, c'est un 2-en-1. Vous avez une partie avec cette brosse-ci. Donc, il me semble qu'il y a des fibres hein, à l'intérieur pour pouvoir, en fait, apporter ce côté volumisant. Et de l'autre côté, ben, nous avons cette. Oui, mon amour. Nous avons une brosse qui va venir séparer et recourber. Franchement, je vous le conseille à 1000% celui-ci. Grosse découverte, c'est le Pro XXL Lift. Les filles, foncez, il est génialissime, vraiment. Ça fait longtemps que je suis pas tombée sur un mascara comme ça, vraiment. Enfin, on va terminer par le côté mode. Et j'ai pas mal de pépites. J'ai pris aussi des classiques qu'on va se débarrasser de suite. Donc j'ai repris des slips. Là je pense que je suis tranquille pour 6 mois, voire un an. Donc de la marque Iris et Lily London. J'ai pris un paquet de 5 en taille M. Et c'est des slips tout simple. Hein. Des slips super confortables. Je vous ai dit le confort ça n'a pas de prix. Et en nude. Ensuite j'ai également pris une gaine. Enfin une gaine. C'est un slip gaine quoi. Parce que faut s'avouer, 7 mois après mon accouchement, ben, j'ai toujours un ventre, hein, j'ai toujours du ventre, surtout après 3 enfants. Et je me suis pris celui-ci à mettre sous les robes et tout. Il est super fin et je pense qu'il sera invisible sous les vêtements. Il est super joli, il est vraiment de très très bonne qualité. Ouais, c'est pareil, de la marque Iris and Lily London et je l'ai pris en taille M également. Vous voyez? Pouvoir bien aplatir quand même le ventre. J'avais peur de prendre du L et que ça soit et que ça baille en fait. Parce que moi j'ai un souci. À chaque fois ça je les retrouve en taille basse, vous savez. Et ça me saoule. Ensuite, ah oui, j'ai repris des débardeurs. Vous savez que je vous ai déjà montré en beige et en blanc. Ben là j'ai pris le noir tout simplement pour pouvoir avoir les trois. Voilà, je les kiffe en fait. D'ailleurs j'en ai un ici en dessous, le blanc. Ils sont trop beaux comme ça, rectangulaires. J'aime trop. Ils sont simples, hein. Ils cassent pas trois pattes à un canard, mais j'aime trop. Voilà, c'est des essentiels à avoir que j'ai pris en taille M. Ensuite, je me suis pris un petit bonnet parce que franchement, en ce moment, on se les gèle. Il fait super froid et j'ai craqué. J'adore en fait cette. C'est un bonnet tricoté comme ça avec un petit pompon et il est beige. Et c'est de la marque Beridi, je crois, oui, c'est ça. Ladies Hat. Hop, et je kiffe. Je suis une tête à chapeau, moi. Du coup. J'adore, même pour aller au ski et tout. Bon, là, littéralement, il n'y aura pas de ski parce qu'on s'y est pris en retard. Mais peut-être en février, pourquoi pas. Il est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, j'ai l'étiquette. Mais franchement, il est super beau. Et il va me tenir super chaud, surtout au niveau des oreilles et du crâne. Franchement, en hiver, je ne supporte pas sortir le crâne à l'air. J'ai la capuche ou une gavroche ou que... Quelque chose il y a sur ma tête, obligé. Ensuite, j'ai craqué pour 2 pulls de la marque CA. Voilà, vous avez la marque CA sur Amazon. Donc, c'est des pulls tout simples. J'en ai pris un en noir comme ça. Ils sont assez longs, assez pas trop épais comme j'aime pas. Hein. Vous savez que j'aime pas trop les pulls trop épais. Et franchement, sympa. Je l'ai en noir. Vous avez un col roulé. Voilà, hop, j'essaierai de vous les montrer portés.
Et ensuite, nous en avons un en couleur beige écru. Voilà, et je les ai pris en taille L. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai recraqué pour un jean Levi's. Franchement, les filles, si vous recherchez un jean Levi's, ils sont pas très très chers. Gros coup de cœur pour celui-ci. Donc, bon, je me suis pris un skinny pour changer un petit peu. Il est trop trop beau. En plus, un skinny bleu brut comme ça. Donc, c'est le Mile Height Super Skinny. Il y avait tellement de couleurs que je savais pas lequel choisir. Du coup, j'ai pris celui-ci. Je dis, allez, regardez-moi les poches et ça vous fait des fesses de folie. Vraiment trop trop beau. Il est vraiment magnifique. J'aime trop. Voilà, donc ayez un jean Levi's, au moins un dans votre garde-robe. Parce que moi, j'en avais pas et franchement, je sais pas comment j'ai fait jusqu'à maintenant pour pas en avoir. J'en avais lorsque j'étais au collège et tout, j'en avais pas mal. Mais là, c'est vrai que depuis après, je sais pas si c'est passé de mode ou voilà. Donc franchement, superbe. J'ai pris un 30x32, pas trop long. Avant, j'adorais les pantalons longs parce que je portais des talons. Ce qui n'est plus trop le cas en ce moment avec les mioches. Donc voilà, franchement, il est super beau. Il est long. Si vous êtes petite, prenez du 28, hein, moi j'ai pris, ou du 30, il me semble que c'est du 30, moi j'ai pris du 32, ouais, c'est entre les deux. Et si vous êtes grande, si vous êtes plus d'1m71, prenez du 34 en longueur. Donc voilà, par contre j'aurais aimé que ça soit un petit peu moins serré ici, mais j'ai envie de dire que dans les bottines, les bottes, ça s'enfile super facilement. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce jean là, vraiment pépite. Oui, j'ai aussi craqué pour une paire de shoes. Paire de shoes de chez Levi's également. Oui mon amour. Hop, donc j'accélère un peu parce que Baby commence. Ah voilà, je vous montre. Je vous mettrai tous les articles que je vous présente dans cette vidéo sur ma boutique, hein, n'hésitez pas à y aller. Donc j'ai complètement craqué. Je me suis dit je vais pas reprendre une énième paire de All Star. Je me suis dit je vais prendre une paire de Levi's, ça change. Et j'adore le blanc écru avec le rouge. Je trouve que ça ressort super bien, c'est super joli. Voilà pour la semelle. Et j'ai pris, il me semble, une taille 39 ou une taille 40. Une taille 40, une pointure 40, pardon. Et franchement, elles sont superbes. Et vous avez plein de coloris. Moi, je kiffe le blanc. Et on a les cuissons ici, les vis à l'arrière. Donc voilà, franchement, elles étaient pas chères. Hein. Je crois que c'était une trentaine d'euros, un truc comme ça. Cher du tout. Ensuite, j'ai craqué pour cette jupe-ci. Alors, elle m'a l'air un petit peu large, hein, de la gamme The Drop. Vous savez, c'est Amazon qui collabore avec des influenceuses, etc., du monde, pour pouvoir, en fait, créer des capsules de vêtements. Voilà, The Drop. Et j'ai choisi, du coup, cette jupe en taille L, une jupe crayon assez longue. Vous avez une petite fente, il me semble, oui, ici. Et franchement, superbe, ça, avec un pull assez large. Moi, j'ai pris ce pull-ci pour aller avec... Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, un moment que je me dis, il faut que je le prenne, je vais le prendre. Donc c'est un pull kaki, il est pas très long, mais il est superbe. Et ce que j'adore, c'est les petits boutons ici, effet bois sur le côté. Et franchement, il est super mignon celui-ci, à porter avec un pantalon taille haute ou une jupe crayon, un petit peu comme celle-ci. Je trouve que ça irait super bien ensemble, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va faire ça. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je me suis pris cette énorme veste magnifique. Elle tient super chaud. Par contre, je l'ai prise en taille XL. Un L aurait suffi. Hein. Voilà, elle a une capuche. Hop, c'est de la gamme The Drop également. Elle tient super chaud. C'est celle que je porte tout le temps en ce moment. Hop, et même mon fils me dit, ah, mais elle est trop belle, maman, et tout. Garde-la, elle fait sportswear, en fait. Et c'est vraiment un genre de veste que je n'ai pas dans cette couleur-là, déjà. Même pour pouvoir aller faire du sport, pour sortir. Franchement top, vous avez une capuche. Et elle est quand même longue, elle arrive en dessous, bien en dessous des fesses. Vous avez deux poches et vous avez des boutons de pression ici. Et vous avez également ceci pour pouvoir resserrer, si vous le voulez, pour pouvoir la raccourcir un petit peu. Donc voilà la team, sorry. Alors bébé, ça va? Donc voilà la team pour ma vidéo Amazon, j'espère que celle-ci vous aura plu. Sorry pour Adam, il voulait absolument pas se calmer, du coup j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas si vous êtes retardataire, si vous avez des achats à faire, n'hésitez pas, vous avez l'embarras du choix sur ce site. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Bye.